Ah, c'est pas très facile la vie, les gars. Vas-y, prends le sac. Prends le sac, mec. Vous voyez, dans le sac là. Je suis fatigué là. Dans ce sac là, la famille, on peut pas dire ce qu'il y a. Vous allez découvrir bientôt. Vas-y, avance, avance. Ok, les gars, à partir d'aujourd'hui, nouveau projet, nouveau délire. On y va, on y va. Vas-y, demande. Voilà, on va récupérer les clés. Siffle, siffle, siffle. Oh! Merci, tonton. Il se fait virer de la maison, du coup. On va chercher. Bon, les gars, ici, on est dans le bâtiment à Cristiano Ronaldo, numéro 7. Tu penses que ça, il va être content de nous voir? Hein? Il va être content de nous voir, Ronaldo? Non, son équipe, elle est nulle, du coup, il aura la haine, je pense. Ouais, il y a des abonnés. Salam alaikum, compatriotes, ça va bien? En attendant Sofiane, là, on attend qu'il arrive. Franchement, il a une bibliothèque, les frères. Une bibliothèque, elle est incroyable. Regardez-moi ça, frère. Découvrir. Il y a des trucs que tu trouves qu'au Japon. C'est incroyable. Ça, il l'a mis où, ça? Je sais pas. Regarde là-haut, regarde là-haut. Mets-moi un iPhone, Il arrive. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Sofiane et de Younes. On est avec la moitié de l'équipe, l'autre moitié va arriver après dans la vidéo. Donc la vidéo assez particulière. Je sais que vous nous suivez depuis longtemps, vous avez déjà tous grandi. Du coup, nous, on a décidé de faire quelque chose en place. Donc la famille, on a à peu près 6 mois et on va vous emmener avec nous parce qu'on a tous démarré une transformation niveau musculation, niveau nutrition aussi. Vous allez voir, il y a Sofiane, Yacine, moi, Ramdan. Bon la famille, moi vous me connaissez, Ramdan, 20 ans. La teinture, faites pas attention, t'inquiétez pas, vous allez comprendre. Bon, moi, mon objectif, ça va être quoi? Ça va être perdre un max de gras, finir aussi stock que Younes. Franchement, ça serait magnifique. Je pense que ça va être dur à atteindre, mais c'est au mental. Je vais donner tout ce que j'ai pour atteindre le niveau de Younes. Mohamed qui se rejoint à l'équipe, ça va être incroyable. Vous allez nous suivre. Des barres de rire, c'est parti. Oh. Là, les gars, on part à la salle. Yacine, il a voulu conduire. Sofiane, je compte sur toi, bon copilote. Hein. T'inquiète, mon gars. Aujourd'hui, ça va à Basic Frites Familia. Nouveau grec, Basic Frites Familia. Par contre, nous, on n'est pas inscrit. C'est-à-dire pour. On est passé à ça de l'accident, mais ça va très bien. Moi, je peux en rentrer qu'un seul. Ah, moi, s'il te plaît. Pierre-feuille-ciseaux. Ok. Pierre-feuille-ciseaux, Yacine qui rentre. Pierre-feuille-ciseaux. Oh, le crème de l'île. Et lui, il paye 10 euros. Ouais. Force à toi. Un day pass. C'est 8 euros. 8 euros, ça va en vrai. Ça va, tu peux vraiment faire ça là. Ouais. T'économises un grec et tu vas à la salle. C'est là où je me dis, on s'est couillé en Espagne. En Espagne, on s'est grave fait couillé, c'est vrai. On payait 15. Non, on payait combien en Espagne? 20 euros. Ça y est, on est rentré. Il manque plus qu'Yacine. Est-ce que ça va marcher? Impeccable. La salle, elle est incroyable, Yacine. Ouais, ça change des sauvages. Tout est neuf. Parce que vous allez voir, notre salle, c'est une salle sauvage. Elle grimpe des gens dans notre salle. Bon, avant chaque séance, venez, s'il prend son produit bizarre là. C'est quoi qui sont produits à ton avis? Et Sofiane aussi? T'es dans ça? Moi c'est du 100 plus 95. Oh là là. On vous dira ça à la fin. À la salle, venez avec votre détermination et vos produits. C'est important les produits. En plus, Younes, c'est pas méchant. Ouais. Là, il y a un truc qui se passe ici, les gars. Il y a un truc. Tu vois? Il y a un truc qui se passe, les gars. Attends, il y a un truc qui se passe, les gars. Alhamdulillah. Attends. Saitama est devenu musclé mais a perdu tous ses cheveux. Bon, le You, il va commencer. On est dans la salle de Sofiane, donc c'est lui qui décide la séance. Il a dit qu'il voulait faire les bras plus un peu de cardio. Et moi, j'ai rajouté un peu de dos. Vous allez voir, je vais tester mon record. Et ça, en fait, regarde, quand tu fais des tractions tout le temps, tes mains, elles glissent. Comment ça? Ça veut dire avec ça, là, c'est des petits produits magiques. On met là, comme ça. Vous allez voir. Là, le but d'aujourd'hui, c'est de faire combien? Mon record personnel, c'est 40 kilos. Mais la crème solaire, c'est marrant. En fait, c'est de la poudre de tricheur. Genre avec ça, ça veut dire que ses mains, ils vont grave accrocher au truc. Oh, tu sais quoi, regarde, juste un truc. Est-ce que Sofiane, tu penses qu'il va faire les 40 ou pas? Ouais, si, j'ai vu, il faisait plus normalement. Vas-y, bah on va voir. Tu sais quoi, je parle même pas, échauffe-toi et tout. Ouais, attends, vous allez dire, moi, je sais pas faire des tractions. Ouais, Décathlon, t'achètes un élastique. Moi, je pense que avec ça, j'arrive pas à faire des tractions. Il y a des... En fait, ça dépend des élastiques. Vas-y, bref, il va s'échauffer. Ça, c'est un élastique léger, ça. Ouais. Il va s'échauffer et on se retrouve quand il sera à son poids. Ok, donc là, Younes. Pour pas tricher, regardez. Hein. Il y a 24 plus 16. Ça fait combien, Sofiane? 40. Arrête de tricher, 40. Et ça, je tiens à dire que c'est son record, 40. Donc si tu fais, ça veut dire que tu maintiens ton record. Ouais. Tu vois, ça va faire. Tac, il va accrocher les poids. Tu fais combien de kilos là actuellement? 86. Donc 86 plus 40, ça fait combien? 126. 126 kilos. Allez, la grosse, c'est parti. Allez, Younes. Il a des grosses couilles.
Start pour la même voix, je pense à ça, je voulais pas le dire. Allez, c'est parti. La force et la puissance, Younes. Dis bismillah. 1. Ah, bien. Non, non, bien, bien, bien. Facile. Il s'arrête à 1. La dernière fois, il avait lutté, wesh. Je t'ai dit, moi, mon corps, c'est une évolution constante. Allez, essaye 50. Bon, allez, là, tu pars pour un record. Il a combien? 24. 40, 48. Il a jamais fait ça. Son record, c'est 40 kilos. Oh là. Là, t'es obligé de le faire. Là, si tu passes, c'est un record monumental. T'es un monstre. On va voir s'il le fait. Avant de dire que t'es un monstre, déjà, faut voir s'il va réussir. Eh, mais, eh. Allez. Eh, à qui l'observation, il l'a déjà fait là. Tu penses? Il l'a déjà fait. Et... il l'a déjà fait. Dans le futur. Et... il l'a déjà fait. On va voir, on va voir. Allez, 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 allez. Allez, tu peux le faire. Ce n'est pas gentil. Tiens, regardez, transfert de force. Il a toute ma force, ça y est. Allez, allez, allez. Il a toute ma force. Easy, normalement, easy. Allez, easy. Easy. Allez, 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 allez. Allez, oh, easy. Je valide. Oh là. Je valide avec validation. Logiquement, c'est pas possible. Affirmatif. Oh le c'est pas possible. Mais wesh, le truc le plus dur, c'est que ça me serre les côtes. Oh. Non, j'ai. Oh c'est là, bien, c'est monstre, un petit peu malade quand même. Pour aujourd'hui, moi j'ai fait mon record, maintenant c'est à toi. Autour de Yacine, les gars, il va tester son max. Ton record, c'est quoi ton record? Mon record, c'est 60 kilos. 60 kilos. Une rep, et j'étais en train de buter comme un ouf. Là, tu vises combien là? 70, non? 70 kilos. Là, il faudrait juste trouver un banc pour que je puisse mettre les poids. Ouais, genre là, ce serait carré. Ouais, mets-toi là. Pas mal, c'est avant de monter, mets bien tes mains sur le rebord, ok? Avant de monter, tu mets bien tes mains pour pas tomber. Les gars, ça, je vous dis la vérité, je suis pas sûr. Allez, 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 allez. Eh, mets-toi fort dans ta tête, mets-toi fort dans ta tête. Tu crois que le fil aurait fait la salope? Eh, mets-toi fort dans ta tête, s'il te plaît. Allez. Allez. Allez, Yassine. Bat ton record. Bat ton record. Allez, ah, pour bientôt. Putain. Il a dit, ah, pour bientôt. Il manque ça. Est-ce que je me sentais monter une milliseconde après, je me suis dit, je maintenais. Eh, c'est un chien quand même, 70 kilos, il arrive à maintenir. Putain. Bon, on a fini nos conneries. Il y en a qui viennent faire des records, d'autres qui viennent faire du Zouk Blue Dance. Hein? C'est lui qui fait du Zouk Blue Dance. Ah. Moi? Il a dit, ah, ouais, bientôt, bientôt. Donc là, ce fait, on prend en charge les biceps aujourd'hui et cardio. Allez, donc toujours perdre le maximum de gras et faire le maximum de muscles. Vas-y, c'est bien. Ça, c'est un bête d'exercice. Ça, c'est l'échauffement, franchement. On enchaîne avec un autre exercice de bras. Là, cette fois-ci, sur le banc. Il va tout simplement relever pour travailler le biceps. Et là, ce qui est bien, c'est que son dos, il est posé. Donc, il ne veut pas tricher avec son dos. Ouais, ça, c'est carré. Et ensuite, dès qu'il a fini ça, il va enchaîner directement avec ici pour travailler le bracaille. Le bracaille. Le bracaille. Ouais, la racaille. le bracaille. Alors après, directement, allez, Sofiane. Reste droit. Super. Les bras, c'est un petit muscle. On n'a pas besoin de mettre lourd, la famille. Ouais. Juste bien faire le mouvement. C'est bien, Sofiane. C'est grave. Et partir ramener une caisse. Tu l'as pété à qui la caisse? C'est trop lourd, je vais ramener tout là-bas. Il y a un mec balèze là-bas, c'est qui? Un mec balèze. Bien joué. Bien joué. Je te jure, s'il arrive à redescendre, remonter, remonte la boîte, c'est difficile. Oh, il en a fait 5, ce fou. Par contre, il y a un petit problème, tu l'as vu ou pas le problème? Non. Il monte que avec. Genre, il passe que une épaule et après ouais, il passe pas les deux épaules en voilà. Même temps. Ouais, t'as pas le vrai mouvement. Mais mon arc, ça, tu le fais dans la boîte. C'est la première en fait, c'est toute la première qui fait tout. C'est ta dernière ouais. Chance, après j'enlève ouais, la vidéo, c'est bon. Non, oh là, mon poignet s'est tordu. Oh là, c'est pour ça que je l'ai pas eu. Oh là, mon poignet s'est tordu. T'as vu quand j'étais là pour refais, passer refais, mon refais, poignet refais. L'a fait ça. Oh là, je l'avais. Refais. Après, j'attends la refais. Vidéo si tu veux. J'ai niqué mon énergie. Non, là. Non, t'as encore d'énergie. Refais là. Oui, je fais un aller-retour et je la fais. Non, refais là tout de suite. Putain, allez, remonte. Là, c'est dans ta tête. Remonte. Je l'avais, frère. Mon poignet s'est tordu. Allez, merci-moi là un peu. Là. Arrête d'être en mode Allez, plus vite, allez, passe, allez. Voilà. Je valide. T'as le forceur. Je valide. Avec validation. Comédien de l'Arte. Ouais, il fait Jamel Comedy Club. Bien sûr qu'il passe. C'est bien. T'as pas fait pas des échecs dans la même journée. C'est ça que je voulais. C'est ça qu'on voulait qu'on reparte. T'as pas des échecs dans la même journée. Il y en a qui font des paires et d'autres qui font la Zumba. Attends, tiens. T'es dingue. Ah, la zoom, là, là, c'est un échec chacun là. Il y en a qui font des verres, d'autres qui font de la. Hey, regardez bien ses pieds. La paroi, c'est ça. Regardez bien ses pieds.
En fait, dans la sa fois, tête, il fait de la Zumba, Sofiane. Non, mais en fait, je t'explique, dans sa tête, il escalade le grillage du collège. Dans ma tête, il y a un chien et je mets mes pieds là. Il fait de la Zumba. Regarde l'humiliation du team. Pousse-toi, regarde l'humiliation. J'ai la technique, les gars. Regarde l'humiliation du team. Et après, Sofiane. Regarde. Elle la rate pas, hein. Je t'avais dit. On va aller faire du cardio. Bon là je t'avais dit. Bon les gars, pour atteindre nos objectifs, faut qu'on perde le maximum Zumba. De gras. Nanana, Zumba. Nanana, Zumba. Hey, c'est bon, c'est Zumba. Bon, arrête. Faut qu'on perde un max de gras. Donc on va vous montrer comment perdre du gras avec le sport. Bien sûr, il y a la bouffe et tout. Mais là Yacine, tu vas nous montrer. C'est à vous de choisir. Il y a soit les vacances et le repos, vous faites ça. Mais ça, vous pouvez faire ça pendant 8 heures, ça va rien vous faire, vous allez être éclaté. Ou ça, il y a le truc de bonhomme faire ça. Ça le dure tabata. Pas, ça dure pas longtemps. Le tabata, ça dure pas longtemps, mais c'est un fractionné en fait de ça. Et ça, les gars, faut être costaud, faut être bien maffé, bien tiède pour faire ça. C'est très très bien ceux qui veulent perdre du poids, bombarder les trucs comme ça. T'es prêt, Sofiane? C'est quoi l'exercice déjà? Explique-lui. On va faire du rameur. 15 secondes, il bombarde, 15 secondes, il arrête. 15 secondes, il bombarde, 15 secondes, il arrête. On va faire sur combien de temps? Vu que c'est la première séance de tout l'épisode, on fait ça 3 fois. La prochaine fois, on fera ça 5 fois. Vas-y, 3 fois. Allez, Sofiane, t'es prêt? Regardez 3, la puissance qu'il a. 2, 1, allez, tout à patate. Excellent. Ça rentre, hein, je vous dis que ça lui, il est grave explosif, Sofiane, dans ça. Ouais, il est explosif. C'est bien, Soso. C'est une espèce que tu lui dis top, ok? Non, j'ai pas moi, toi t'as. Vas-y, pas, j'ai t'inquiète. Continue, ça va être plus, je suis combat. C'est bien, Sofiane. Respire. Allez, ça m'enlève, ça m'enlève. Encore 5 secondes. Son pied s'est enlevé. 2. C'est bien, 3, Sofiane. 4 et 5, c'est le top. Lâche, remets bien ton pied. Il récupère, il va remettre son pied et tout. Il récupère 15 secondes et il repart. Une fois, j'ai fait comme Sofiane, je suis tombé parce que c'est ce rameur, c'est chiant. 1, 2, 3, 4, c'est bien. 5. Déterre. 7, 8, allez, 9, 10, il te reste 5. 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Bonhomme, voilà, bonhomme. C'est excellent. Bien, Sofiane, marche, va respirer, tranquille. Moi, mon objectif, c'est d'être encore plus sec et plus balèze. Et surtout d'avoir la veine là. Quand j'aurai la veine ici, là, j'aurai réalisé mon objectif. C'est de perdre du muscle, trop musclé. Et ça, je sais pas. Non, je viens plus sérieusement. Porte du poids et devenir un peu plus stock. Ah, Ramdan, c'est un feignant. Tu peux lui dire, Sofiane, c'est un feignant. Ah, t'es un feignant. C'est le feignant de Ramdan de. Je sais pas, je vais me retenir. Mohamed, c'était pas prévu qu'il vienne, donc Mohamed, il est à demain pour la souffrance. Mais à demain, Mohamed, pour la souffrance, tu vas voir. Je disais de te dire, Younes, bon là, désolé, mais là, pour la diète, t'es obligé de. Ça y est, mon gars, c'est fini. Donc, tiens, ton assiette. Là, on rentre du sport, c'est l'heure de manger. Un grec. Tiens. Ah, pour atteindre nos objectifs, les gars, les grecs, c'est fini. Les tacos, c'est fini. Les pizzas, c'est fini. En ce moment, je suis à 5 au moins pendant un mois. Après, au bout d'un mois, il y aura des cheat meals, je pense. Alors, en ce moment, je bouffe grave des trucs comme ça là. Céleri, j'ai pris en A. Après, c'est vrai, il faut faire gaffe au macro, mais j'en mange pas beaucoup, donc ça va. Tu manges combien de repas par jour et tout? Deux repas. Avec le matin, un café, un fruit en général, mais je compte pas comme un repas. C'est juste pour. C'est une pas... collation quoi. Bah, voilà, une collation et. En fait, c'est une collation de repas. Okay. En général, mes repas, c'est quoi? Par exemple, la dernière fois que j'ai mangé, je t'ai envoyé. Lentilles, un plat de lentilles. Après le soir même, j'ai mangé quoi? Riz avec du poulet, des lentilles et. Ça fait grave plaisir. Et des concombres. Même Sofiane, il est dedans, ça fait grave plaisir. Pour Sofiane, sa petite collation, il prend un peu de dinde. Mmh. Comme ça, tu vas sécher vite et au max. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous des diètes différentes. Et on a tous des objectifs différents. Genre Sofiane, lui, par exemple, il prend un repas principal le soir et quelques petites collations. Moi, je prends deux repas dans la journée. Younes, il prend 6 repas dans la journée. Ouais, 6 repas. Wow. Ah, tu dis grave fort 6 repas. C'est énorme. Alors, en termes de musculation, moi, il va te fumer. Il va m'exploser, ça, c'est sûr. Donc, toi, c'est quoi? Tu présentes ton plateau? Bah, moi, c'est quinoa, dinde. Hamburger. Un sandwich alimental et des dattes. Carré. Tu peux voir le sandwich alimental, comment il est? Parce qu'il y en a, ils aiment trop faire tes recettes. Mental. Avocat? Un peu d'avocat et. Ah, c'est pas mal! Normalement, j'ai du pain complet, mais Younes s'est trompé. J'espère que ça. Non, ça là, celui-là, il est bon. Ça va changer, en plus, c'est plus léger. C'est du pain brioche, c'est grave. Moi, pour les macros et tout, les pains complets, c'était mieux. Wesh, la mif, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, on se trouve de mon côté, dans mon assiette. Je vais vous montrer ce que je mange aujourd'hui. Ça part sur du basique. 200 g de riz, 150 g d'escalope. Boisson, ça part sur de l'eau. Hein, avec. Un petit sirop zéro, boum, 2 calories, dessert, une mangue. The next day. Bon là, on n'a pas fait exprès, on a éclos quand même. Le quatrième acolyte qui rejoint. Viens, on avance, il y a trop de bruit là. Ça vaut comment pas. Et derrière les gars, Mohamed, ceux qui l'ont pas vu depuis un an, il t'a grave maigri. Ouais. Comment t'as fait? Il y en a, ils vont se demander comment t'as fait.
c'est que la graille, l'alimentation, bien manger, c'est tout. Voilà, il a raison. Même pas sport. J'étais blessé. J'ai essayé la technique, faire du sport matin et soir, manger ce que vous voulez, voilà, ça marche pas. Ouais, c'est que la graille. Donc là, on va aller vite fait s'entraîner. Et juste, Mohamed, tu peux donner ton objectif, c'est quoi? Ouais, prendre la masse, un peu de gras. J'ai plus de gras. Un peu de gras? Oui, j'ai plus de gras, les frères. Mais non, prends que du muscle. Ouais, que du muscle, là. Plus jamais maigre, les gars. Ouais, plus jamais, c'est fini. C'est qu'il y a de la pire séance. Allez, Mohamed, t'assumes. Allez, vamos. On y va. C'est bien. Il y a un message à Ramdan, le sécheur de séance. Ramdan, on arrive. Ramdan, on arrive, toi aussi. Mohamed, on a un léger problème. Mohamed, il a décelé un truc. Mohamed, il l'a cramé. Eh, Sofiane, t'as un petit malin, t'as. Hier, on s'entraînait avec Sofiane, il a oublié ça. Et comme dirait ma. C'est du sucre. Eh ouais. C'est masqué, mec. C'est du oasis. Eh ouais, mec. On va l'appeler, on va voir ce que c'est parce que c'est bizarre. Voilà, j'ai goûté, voilà, c'est sucré, mec. C'est sucré. Appelle Sofiane. Dis Siri, appelle Sofiane. On va voir c'est quoi sa potion. Dis Siri, appelle Sofiane. J'appelle Sofiane Cousin, portable. Pas clair ça. J'appelle Sofiane Menteur. Est-ce qu'il va répondre? Je crois qu'il va pas répondre. Peut-être qu'il dort avec la séance d'hier. Allo Sofiane, salam alaikum, ça va? Ça va. Ouais, désolé de t'avoir réveillé si on te réveille. En fait, on avait une question. On a retrouvé ta boisson dans le sac. Tu as vu la boisson avec le truc jaune là? Ouais. Il y a quoi dedans? C'est de l'eau avec sirop de pêche 0%. Il n'y a pas de sucre? Non. Ah, ok. Ce qui est bizarre quand on me répond. Parce que Younes et Mohamed ils l'ont goûté, ils ont dit c'est sucré. Ah, frérot, t'es sûr? C'est sirop de pêche que j'ai envoyé. Je t'ai dit quoi quand j'ai goûté? J'ai dit c'est un édulcorant, c'est pas du sucre. Voilà. Ok, ok, pas de soucis, Sofiane. Vas-y, salam alaikum. On peut la boire du coup? Si tu veux, je te on peut la boire? Est-ce qu'on peut la boire du coup? Oui. Ok, pas de soucis. Vas-y, salam alaikum, Sofiane. J'ai envie de me tuer. Je vous promets, wallah, j'étais avec moi, mais tout à l'heure, j'ai dit ça, c'est de l'édulcorant. Là, il m'a dit goûte. Ça se voit, c'est du. Mais rien dès que j'ai niqué Matt, j'ai à côté de lui. Voilà, mais dès que le coach il voit. Ah, c'est sans sucre. C'est sans sucre. Ça y est, la série est lancée, les gars. Mohamed, Ramdan, Sofiane, Yacine et moi, qui va faire la meilleure transformation? Et on va mettre en place des punitions. S'il y en a qui font des cheat meals alors qu'on n'a pas le droit, mettez les punitions dans les commentaires qu'on fait. En tout cas, je pense que là, on est tous déterminés. Let's go!